Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien. Aujourd'hui, on va faire un programme split, pec, épaule, aux haltères. Donc, prépare tes haltères. On y va. Premier exercice, double contraction en développé couché. Ça veut dire que on va faire, hop, une demi-rep et une rep complète. Et juste après ça, on va balancer 10 reps normales. Donc, ça va faire mal, mais c'est ça qu'il faut. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Allez. Demi complète. Cinq. Demi complète. Six. Demi complète, 7, demi complète, 8, allez, demi complète, 9, demi complète, 10, 10 reps normal, c'est parti, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok, ouf. Mais mon temps de repos et mon petit trait. Voilà. Putain, le rouge il marche plus. Même le vert il marche plus. Eh, c'est n'importe quoi. Il n'y a que le noir qui marche. Ok. Et ouais, les gars. Et ouais, on repart sur un programme split. Là. Je pensais que ça explosait sur moi. Je prends une boisson vegan protein water de chez My Protein. C'est de l'eau protéinée. Il y a un peu de caféine dedans. Ça va me réveiller. Comme je vais faire plusieurs programmes avec toi aujourd'hui, ça va me réveiller. Je vais repartir sur la base, le programme split. Le programme qui fait le plus progresser et évoluer selon moi parce que. Voilà, on voit beaucoup de full body, beaucoup de upper lower, beaucoup de PPL en ce moment. Sachant que on oublie la base. On oublie la base et la base, c'est le split. La base de ce qui m'a fait progresser, moi, ce qui m'a fait vraiment évoluer de base, c'est le split. Et le split, c'est le fait de travailler deux muscles. Tu vois, tu te concentres sur normalement un petit muscle et un gros muscle, histoire d'être bien. Histoire de bien cibler les points faibles et de progresser intelligemment. C'est important. On repart pour la deuxième. Et on fait 4 séries. Faut pas l'oublier. Allez, on y va. Hop. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Allez. Demi complète, 5, demi complète, 6, demi complète, 7, allez, demi complète, 8, demi complète, 9, demi complète, 10, 10 normal, allez, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Par contre, mon téléphone il se verrouille tout seul. Faut que je vois les paramètres économie d'énergie là. Mais ouais, comme je te disais, les programmes split, c'est les meilleurs programmes. Clairement, c'est les meilleurs. Beaucoup de gens prônent le PPL et tout en disant que oui, c'est la meilleure chose à faire. Le PPL, c'est un très bon programme aussi. Push-pull legs. C'est un très bon programme pour ceux qui ont très peu de jours d'entraînement, qui n'ont pas beaucoup de temps, parce que le PPL, il se divise en trois séances.
push, pull et legs. Tu vois? Et pour moi, actuellement, c'est bien. Moi qui travaille beaucoup, moi qui n'ai pas beaucoup de temps maintenant d'aller à la salle, c'est excellent. Mais pour quelqu'un qui a le temps, qui veut se construire un physique et qui veut s'en donner les moyens de se construire un physique, et ben le split, c'est la meilleure des choses à faire. Certes, tu vas aller plus de fois à la salle, tu vas faire beaucoup plus de séances, mais le split, c'est la meilleure des choses à faire. Sachant que beaucoup de personnes vont à la salle 5 à 6 fois par semaine et font que des PPL. Ça, c'est n'importe quoi. Clairement, il faut faire des splits. Tu vas à la salle plus de 4 fois dans la semaine, fais des splits. Travaille deux muscles, c'est mieux. Allons, on y va. Troisième. C'est parti. Allez. Demi. Complète. Une. Demi. Complète. Deux. Demi. Complète. Trois. Demi. Complète. Quatre. Demi. Complète. Cinq. Demi. Complète. Six. Demi. Complète. Sept. Allez. Demi. Complète. Huit. Demi. Complète. Neuf. Demi. Complète. Dix. Dix normal. On y va. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, j'ai pris une petite charge de travail. Et franchement, ça me fait déjà des sensations. Je dirais pas que ça me fait mal parce que c'est trop léger. Mais ça me fait des petites sensations au niveau des pecs et je sens la congestion arriver. Donc ça, c'est bien. Pendant ces programmes-là, même si que je vais faire une vidéo récap avant tous mes programmes, je prends des charges basses. Là, j'ai baissé mes charges. Il y a combien? 4 5, 6, 6 kilos, 6 ou 7 kilos, je sais plus. Je prends ça, histoire de faire plein de programmes, d'être avec toi, de compter avec toi, et de pas être trop fatigué par la suite. Parce que si je prends 14 kilos par bras ou un peu plus, et ben, je vais te faire une vidéo, deux vidéos, après je serai KO. Et là, mon but à moi, c'est pas de faire ma vraie séance, c'est de te montrer comment je travaille, de montrer comment tu peux bosser, mais aussi de partager un moment ensemble, parce que c'est important, c'est vraiment important. Mais ouais, pour revenir au split, là, je décide de refaire des programmes split, parce que clairement, c'est la meilleure façon de travailler. J'ai fait beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, mais le split, c'est la meilleure façon de travailler et d'évoluer. Et moi, c'est ce que je veux. Toi, si tu suis des programmes, je pense que c'est pour t'évoluer physiquement aussi. Et là, on y va, c'est parti. C'est la dernière. Allez. On y va. Ouf. On y va. Demi. Complète. Une. Demi. Complète. Deux. Demi. Complète. Trois. Demi. Complète. Quatre. Demi. Complète. Cinq. Allez. Demi. Complète. Six. Demi. Complète. 7. Allez. Demi. Complète. 8. Demi. Complète. 9. Demi. Complète. 10. Allez. 10 tout seul. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Ouf. Là, on est bien, tu prends 2 à 3 minutes de repos, tout dépend de ta forme, et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, développé couché en unilatéral. Ça veut dire qu'on va prendre les haltères, hop, on va se faire 10 répétitions d'un côté, enfin, on va garder les haltères en haut, et 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et 10 avec les deux. 10, 10, 10. Très bon exercice.
Ça fait mal, mais c'est ça qu'il faut pour évoluer. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais il y a quatre exercices dans le programme et dans cette playlist de programme 2.0, j'ai appelé comme ça, il y aura quatre exercices à chaque fois qui vont faire mal, mais c'est ça qui est bon. Allez, on y va, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Hop, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Temps de repos. Voilà. Ça, tu vois, c'est des bons exercices. Des bons exercices pour évoluer, progresser, se faire mal. Il faut les faire. Il faut les faire, les gars. Oh. 30 secondes. Bien. Repos. 1 minute 30. Alors, au niveau de la minute 30, comme je l'ai dit, et je vais le redire encore, si tu sens que tu es KO, vraiment, tu peux prendre 2 minutes, tu prends un temps de repos un peu plus long, d'accord? C'est vraiment en fonction de toi. Moi, je me suis basé sur la base de la musculation qui est de 1 minute 30. Même si que maintenant, il y a des études qui disent que 1 minute 30, c'est la base, d'accord? 1 minute 30, c'est la base. Si tu sens que tu n'as plus KO, repose-toi un peu plus. Si tu soulèves lourd, tu fais ça pour quoi, mais tu soulèves très lourd, prends un peu plus de temps de repos, ok? Mais si tu peux respecter et tu respectes 1 minute 30, bah c'est bien et c'est excellent. Et pour moi, c'est la meilleure façon de construire son muscle efficacement. Une 30 de repos avec l'énergie adéquate. C'est important. On y va, c'est parti pour la deuxième. Je vous ai dit, les gars, avoir des bons pecs, c'est important, faut les mériter. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ouf. Hop, temps de repos. Voilà. Cet exercice-là aussi, il est efficace. Enfin, tous les exercices en unilatéral sont efficaces pour ceux qui ont un manque de force par rapport à leurs bras. Je m'explique. Je reçois énormément de messages. Oui, dames, j'ai plus de force au bras droit qu'au bras gauche. Oui, quand je fais mon développé couché, je suis en déséquilibre parce que mon bras est là le plus fort. Quand je fais mes bras, là, j'arrive pas à soulever, là, j'arrive à soulever. Ça, c'est normal. Ça nous arrive à tous. J'ai répondu à un commentaire comme ça, et plusieurs. Ça nous arrive à tous. Mais pour contribuer à ça, ben, il faut pousser. Tu n'as pas un claquement de doigts qui va faire que c'est bon. Ce sera pareil. Non. Tu auras toujours un bras plus fort que l'autre. Mon bras droit sera toujours plus fort que mon bras gauche. Mais ce que je soulève à droite, je le soulève aussi à gauche. Ok? Ça. C'est important. Et pour rattraper ça, enfin pour pallier à ça, pour rattraper cet écart de force, il faut toujours bosser en unilatéral. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu soulèves avec tes deux bras à chaque fois, eh ben, tu auras toujours un bras qui va se reposer sur l'autre. Quand tu bosses en unilatéral,
eh ben, ce bras-là, le bras faible, ne pourra pas se reposer sur l'autre. Il sera obligé de soulever, il sera obligé de se faire mal, obligé de faire un effort. Et ça va te permettre d'avoir un bon équilibre quand tu vas utiliser les deux bras. Et là, on y va, c'est parti, c'est la troisième. Allez. On y va. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. L'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9 et 10. Ok. Temps de repos. Voilà. Troisième, il en reste une. Après, on passe aux épaules. Mais ouais, travailler en unilatéral va te faire du grand bien pour ça. Sinon, ben merci, hein. Merci d'aimer autant ces programmes. D'ailleurs, je vais essayer de te remercier à chaque vidéo parce que c'est important. Les programmes, c'est le contenu qui marche le mieux et le plus sur ma chaîne. Merci. La plupart des personnes qui m'ont connu sur YouTube, c'est par rapport à ça, par rapport au programme, par rapport aux conseils. Merci beaucoup. On va continuer à en faire, on va faire les choses bien par rapport à ça. Et puis voilà, on va voir où ça va nous emmener. Parce que des programmes, comme je l'ai dit, je peux en faire une infinité, je peux en faire des milliers, je peux en faire plein. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de développer un peu plus ma chaîne dans le côté artistique, j'ai envie de dire, dans la vidéo. De faire du contenu de qualité, vraiment. Du contenu où visuellement c'est propre, c'est beau. Là, je peux pas le faire pour l'instant, mais. On va mettre les choses en place pour te faire de la qualité de fou. Parce que c'est important de te faire les meilleurs programmes que tu peux voir partout. D'accord? C'est mon but, de te faire les meilleurs programmes de tout le YouTube game. Pas francophone, mais tout le YouTube game. C'est important. Et là, on y va, c'est la dernière. C'est léger. Mais je sens que je suis congestionné. Allez, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. L'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, on est bien. On a fait les 4 séries. Prends 2 ou 3 minutes de repos. Tu vas te prendre ta forme. Et on passe au troisième exercice. Épaules. Les épaules cette fois-ci. Avoir des grosses épaules, c'est important. Et quoi de mieux que les épaules pour bosser avec les pecs. Donc, on va se faire le premier exercice, développé militaire. Et là, j'ai lu juste développé militaire. Mais on va se faire un double contraction. Bah oui, on va se faire mal, les gars. Le but, c'est de se faire mal. Donc, double contraction. Je prends les haltères, je fais une demi-rep et une rep complète. On va en faire 10 tranquillement. Et peut-être qu'on va rajouter 10 reps normales. On va faire ça. Double contraction, 10 plus 10 reps normal. Ok, on va se faire mal. C'est ça qu'il faut. On y va. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop. C'est parti. Demi complète. 1. Demi complète. 2. Demi complète. 3. Demi complète. 4. Allez. Demi complète 5, demi complète 6, demi
complète 7, demi complète 8, demi complète 9, demi complète 10, allez, 10 normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Ok. Hop. J'ai mis le trait avant le temps de repos. Mais là, c'est bon. Et tu vois, là, je sens qu'au niveau de la congestion, c'est incroyable. Je me vois au retour mes épaules, mes bras, alors que je lève une charge vraiment légère. C'est vraiment un truc de fou, mais c'est ça qui est bon. C'est vraiment ça qui est bon. Vraiment bon cette protein water. J'ai pris de l'eau aussi. Hein. J'ai pas pris que ça. Je suis pas fou. Parce que c'est bon, mais il y a un goût de sucre. Il y a zéro sucre, mais il y a un goût de sucre, tu vois. Ce qui fait que ça donne soif après. Ouh. Les meilleurs programmes. Programme split. Programme split, les gars. Programme split. Là, je te cache pas, je prépare 10 vidéos de programme. 5 en split, même si qu'il y a les jambes. Pour l'instant, je ne peux pas faire les jambes parce que j'ai un peu mal. Je vais voir si aujourd'hui ça va, mais j'ai un peu mal au genou. C'est très compliqué. Mais pour ce mois d'août-là, j'ai vraiment envie de me donner à fond. J'ai vraiment envie de faire le meilleur mois d'août que je peux faire en termes de stats, en termes de programme YouTube. Même si c'est le mois qui paye le moins sur YouTube, mais j'ai envie d'être présent. C'est important. Allons, on y va. Deuxième. Fais ça bien, allez. Hop. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre, on lâche pas. Demi complète. Cinq. Je tapais le micro, c'est pas grave. Demi complète. Six, allez. Demi complète. Sept. Demi complète. Huit, allez. Demi complète. Neuf. Demi complète. 10. 10 normal. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu vois, même avec une charge légère, c'est incroyable. Donc tous ceux là qui vont me dire oui, j'ai que 3, 4 kilos ou je sais pas quoi, fais ça. Je te parle pas des haltères roses où tu vois 0,5 kg. Non, mais ceux qui ont des petits haltères. Comme ça, tu vas sentir. Tu vas sentir, mais au bout d'un moment, il faudra augmenter la charge. Mais tu vas sentir. C'est pour ça aussi que je rajoute de l'intensité à mes programmes. Mes premiers programmes, ils étaient cool, ils étaient simples. Développé couché, 10 reps. Après, on fait ça, 10 reps, tranquillement. Là, on rajoute de l'intensité. On rajoute des choses qui vont faire mal. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Vraiment. Parce que il y en a qui me suivent depuis longtemps. Il y en a qui font mes programmes. Et j'ai envie de dire partout dans le monde. Et je suis très content et très fier de voir ça. Quand je vois des bonjours du Canada, des bonjours de l'Afrique, des bonjours de l'Espagne, tout, je me dis, waouh, c'est un délire. Tu vois, c'est un délire. Que mes conneries dans le garage arrivent partout dans le monde, tu vois. Mais je suis très content. Et pour vous, aussi pour toi qui viens de me découvrir, si tu viens de me découvrir, faut qu'on se tue ici. C'est important. Parce que ce garage-là, tout se passe bien, je déménagerai. On ne le reverra plus jamais, malheureusement. On verra d'autres endroits, d'autres espaces, mais on ne le verra plus jamais. À part si tu reviens sur les anciennes vidéos. Mais sur une nouvelle vidéo, ça sera que des autres endroits. Peut-être plus grand, peut-être plus nul, peut-être plus petit. Tout dépend de mon travail. On y va, c'est la troisième. Allez. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Demi
complète 5, demi complète 6, demi complète 7, demi complète 8, demi complète 9, demi complète 10. Oh, j'allais déjà abandonner, mais non, c'est 10 temps, bah là on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Franchement, double contraction plus ça. Ah, c'est dur. Je pense que je vais le refaire en salle. Ah, je vais le refaire en salle. C'est sûr. C'est sûr que je vais le refaire en salle. Double contraction plus 10 après. Là, hey, mes épaules, elles sont contentes. Je sais pas si mon retour caméra, il ment ou pas. Mais là, j'ai l'impression, là, je suis balèze de fou, là. Après, on va dire que je suis chargé, tu vois. C'est n'importe quoi. Non, mais je suis bien, je suis bien. Mes bras, c'est mon point fort. J'ai même pas fait les bras, mais là, je sais pas. En tout cas, mon épaule, elle ressort bien. Et ça, c'est bon. C'est très, très bon. En tout cas, ouais, merci. Merci. Ça fait plaisir de savoir d'où vous venez, d'où vous faites mes entraînements. Et puis, moi, voilà, c'est une façon de vous remercier aussi, d'honorer aussi mes engagements. Même si il y a plein de choses que j'ai dit que j'ai pas faites, mais ça me permet d'avancer et de savoir où je vais. Quand je vois vos progressions, vos évolutions, vos ressentis que tu m'envoies sur Instagram, eh ben, je peux voir où la majorité des personnes traînent et tout, et où je dois m'améliorer au niveau des programmes, quel type de programme je dois faire, aussi vos problématiques, là où vous stagnez, là où c'est difficile. Donc là, je fais des programmes beaucoup plus durs, beaucoup plus complexes, parce que voilà, on avance comme ça. C'est important. C'est la dernière. On fait ça bien. On se fait mal. On y va. C'est parti. Demi complète 1, demi complète 2, demi complète 3, demi complète 4, demi complète 5, allez, demi complète 6, demi complète 7, allez, demi complète 8, demi complète 9, demi complète 10, 10 normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oh. Je m'y montrerai tranquillement. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos. Tout dépend de toi. Et on passe au dernier exercice épaule. Dernier exercice épaule, on l'a déjà fait ensemble. Élévation latérale en double contraction. Prends les haltères. Moi, je me penche en avant, mais j'aime bien. Hop, une demi-rep, une rep complète. Toujours le même rappel. Si tu sens tes trapèzes, ou si tes trapèzes sont développés comme moi, eh ben, arrête-toi là pour la série complète. Ok ? Hop, normal, complet pour toi, c'est là. Pour tous les autres, c'est là. Parce que le problème, c'est que si moi, je fais des séries complètes, c'est mes trapèzes qui vont prendre et non mes épaules. Parce que j'ai trapèzes surdéveloppés. Ok ? Ça, c'est malheureusement des erreurs faites et un manque d'analyse de mon physique. Mais maintenant que j'ai l'analyse, c'est bon. Ok ? Donc, tout dépend de ton physique, on va voir où tu prends. Si tu ne sais pas, eh ben, fais un mouvement complet et tu sauras à l'avenir. Ok ? Donc, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Demi, complète, 1, demi, complète, 2, demi, complète, 3, demi, complète, 4, demi, complète, 5, demi, complète, 6, demi, complète, 7, demi, complète, 8, demi, complète, 9, demi, complète, 10. On reste ici et on fait direct normal. Allez, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Comme ça, là, ça va vraiment nous fumer pour de vrai. Je vais reculer ça et me mettre sur le bout, comme ça, ça va pas taper le banc. Franchement, ça fait mal, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Mais ouais, je vais essayer de faire 10 programmes pour le mois d'août. Comme ça, au moins, on est bon. Si je fais 10 programmes, je serai content. Ça sera pas une vidéo par jour, mais ça sera plein de vidéos, plein de programmes. Et puis voilà, on va voir ce qu'on va faire, voir où on va aller. On a aussi les 20 000 abonnés à atteindre. Donc, ces vidéos programmes, si tu les fais, si tu les kiffes, si tu peux, ne serait-ce liker, commenter, ok, juste pour que l'algo YouTube y voit que c'est intéressant, c'est bien. Partager si vraiment t'as des personnes avec qui tu peux partager, parce que c'est comme ça que la force est bien. Moi, je suis quelqu'un qui partage pas beaucoup ce que je fais, mais si toi t'aimes bien, partage, c'est comme ça que on pourra avancer dans le game, proposer de meilleurs contenus, prendre l'argent que ça rapporte et les mettre dans des projets beaucoup plus intéressants pour faire des programmes de meilleure qualité. Ok ? C'est la deuxième, on y va. Allez, demi complète, une, demi complète, deux, demi complète, trois, demi complète, quatre, allez, demi complète, cinq, demi complète, six, demi complète, sept, demi complète, huit, demi complète, neuf, demi complète, dix. Ok, direct normal, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, sept, huit, 9, 10, ok. Super. Deux. Il en reste deux, après c'est fini. Ouh. Ça fait mal, mais ça qui est bon. Mais ouais, si tu peux partager et tout, tes amis, à tes proches, ou je sais pas, t'as un Insta, tu mets en story, tu mentionnes Dams, merci pour ton programme, toujours des épaules en 3D, il faut le faire, c'est important, ça permet à un petit youtubeur d'évoluer. D'ailleurs, tu vois, là j'ai fait des efforts, je m'appelle youtubeur, j'ai dit à 10 000 abonnés je pourrais me prétendre youtubeur, donc ça permettra à un petit youtubeur d'évoluer et d'arriver à 20 000 abonnés plus rapidement. Là, pour ces 20K, on va se donner à fond. J'ai jamais réussi à gagner 1000 abonnés en un mois. Le plus, je crois, c'était 900, entre 800 et 900. Mais je vais essayer, ce mois d'août, de gagner 1000 abonnés. On va être productif à fond. À part si je me fais pirater ou si, voilà. Mais on va se donner à fond pour essayer de gagner 1000 abonnés en un mois. C'est pas impossible, mais on va s'en donner les moyens. Et grâce à vous aussi, on va faire ça bien. Allons, on y va. Troisième, avant-dernière. Demi complète, une. Demi complète, deux. Demi complète, trois. Demi complète, 4, demi complète, 5, demi complète, 6, demi complète, 7, demi complète, 8, demi complète, 9, demi complète, 10. Direct normal, on y va. 1, 2, 3,
4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. 3. J'aime pas ces shorts là. C'est des shorts My Protein, mais il y a plein de shorts comme ça de plein de marques. Tu vois, c'est des shorts courts. C'est. J'aime pas parce qu'en fait, quand tu fais tes exercices, ça fait un boxeur, tu vois. Et moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et bon, c'est pas grave, il fait chaud. On va pas se plaindre. Parce que normalement, c'était soit ça, soit je mettais un baggy jogging. Et comme je vais pas mettre de baggy jogging, je vais prendre le short de surfeur. Normalement, avec toute la caféine que j'ai pris dans ça là, enfin, on n'a pas beaucoup. 83 mg. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va me donner de la force pour le reste. Il nous reste une dernière série. On va faire ça bien. De la meilleure des façons. On va se faire mal et on valide notre série. Donc, merci si t'as tenu jusqu'à là, déjà. Mais, les vrais remerciements et la vraie force se donnera à la fin de cette série. Parce que faut qu'on la valide. L'entraînement n'est pas fini s'il n'est pas fait au complet ou si t'es pas allé au-delà de tes limites physiques. C'est important. On y va. C'est parti. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Demi complète. Cinq. Demi complète. 6. Allez. Demi complète. 7. Demi complète. 8. Demi complète. 9. Demi complète. 10. 10 reps normales. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me montrais. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à là. Merci d'avoir fait le programme avec moi. Si t'as aimé, si t'as kiffé, mets un j'aime, vraiment. Mets un commentaire. Au moins ça. Ou chaque jour que tu fais le programme, mets un commentaire. Ok ? Programme fait. C'est important. C'est ma seule manière pour moi d'avoir un bon référencement et aussi de motiver les autres. Parce que plus vous êtes nombreux à dire programme fait, programme fait, programme fait, plus ça va inciter les autres à sortir de leur chaise et à s'entraîner, à évoluer, à faire les choses bien. Et c'est ça que je veux. En tout cas, moi je vais te laisser ici. Sur MyProtein, si tu veux soutenir la chaîne, t'as le code DAMS pour te prendre une vegan protein water ou n'importe quoi sur MyProtein. Abonne-toi. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.